Concernant le costume des capitaines de navire au XVIIIe siècle à Bordeaux, par rapport à la question du savoir-être et du savoir-faire, il m'a semblé que la question de la tenue vestimentaire était à la jonction de ces deux dimensions de nos journées d'études. Juste une illustration, les négociants bordelais à Larré et Chapuis incitent leur capitaine Jacques Renouillot en 1754 d'adopter, lors de ses déplacements à la Martinique, un air riant et gracieux. Ils auraient tout aussi bien pu ajouter la tenue vestimentaire adéquate. Incontestablement, lorsqu'on investit les inventaires après décès, certes source piégeuse, mais effectivement très riche, on s'aperçoit immédiatement, on est frappé par l'étendue des vestiaires des capitaines de navire, avec toutes les difficultés inhérentes à l'exploitation de ces sources, puisque là on est à la fois sur des inventaires qui ont été dressés suite à la mort des capitaines de navire dans le cadre de leur activité. Donc ça peut être des listes qui ont été dressées aux îles, puis conservées dans les amirautés afférentes, mais ce peut être également des listes qui ont été dressées au domicile des capitaines, et par conséquent, lorsqu'ils exercent, les habits qui sont restés au moment du départ, et donc il est parfois difficile de savoir si la liste qui figure sur les actes est bien une liste exhaustive ou pas. Considérons donc que les listes que nous avons sont des valeurs planchers et qu'à partir de là, on peut essayer, en comparant avec d'autres groupes sociaux, d'évaluer l'ampleur de la garde-robe. On dispose de 55 inventaires après décès, dressés entre 1741 et 1789 et enregistrés au bureau de Bordeaux. 55, c'est peu. Mais quand on voit l'ampleur de la tâche, on peut considérer que c'est quand même un travail de dépouillement assez important. Malheureusement, pour les 55 inventaires, on n'a pas toujours les hardes, les habits qui sont mentionnés. Et par conséquent, le corpus d'inventaires est d'une quarantaine environ, pour lesquels on peut logiquement admettre que la garde-robe qui est mentionnée sur l'acte est représentative de la tenue vestimentaire des capitaines de navire. Avec là encore un certain nombre de réserves, Christine Doucet a bien montré que le fait d'avoir à son domicile un vêtement ne veut pas dire qu'il a été porté forcément récemment. Ce peut être un prêt, il peut appartenir à une autre personne. Parfois, on a des tailles qui sont complètement ahurissantes, donc on peut se douter qu'ils n'appartiennent pas au capitaine. Donc, il y a toujours des limites, mais on doit bien faire avec nos sources. Et le fait d'interroger la garde-robe à partir des inventaires après décès permet quand même de rentrer dans l'intimité des capitaines, dans leurs intérieurs, dans les malles, et donc d'avoir une approche de l'histoire matérielle au plus près des acteurs et des protagonistes. Alors, je parlais tout à l'heure de savoir-être et de savoir-faire. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de développements que Jacques Perret a fait auparavant, et ce serait trop fastidieux. Mais si on prend l'exemple des habits de bord, comme l'ont montré Gilbert Buty et Alain Cabantous, on est là encore face à une difficulté qui est que dans les inventaires, on ne précise pas toujours le caractère spécifique des tenues professionnelles. C'est-à-dire qu'on va avoir une liste de vêtements parmi lesquels on présuppose qu'il y en a un certain nombre qui sont utilisés sur les navires, mais ce n'est pas systématiquement mentionné. Donc je vais simplement reprendre un exemple. On a parlé de robustesse, bien sûr, des tenues, c'est évidemment un critère important. Simplement reprendre les hardes de mer de Louis Abrespie, qui est mort à Paris le 31 août 1782. Donc c'est un capitaine de navire bordelais, et dans son domicile on retrouve à Bordeaux un certain nombre de hardes de mer, parmi lesquelles figurent quatre gilets, une paire de caleçons en laine, une grosse veste en laine, une autre grosse veste d'étoffe grise, un capot de mer de grosse étoffe brune, 34 paires de chaussettes de fil, 6 paires de bas de laine, 19 paires de bas de soie, donc on s'aperçoit quand même qu'il y a un souci d'esthétisme, 14 paires de caleçons de toile, 63 chemises bonnes ou usées, garnies ou sans garniture, 24 cols de mousseline, 5 coussinières, 7 bonnets doublés de coton, 15 mouchoirs de fil en rose et blanc, 3 de toile, 25 mouchoirs de Béarn, 2 paires de souliers,
une longue vue de mer avec ses cartes, je n'ai pas pu résister à la mentionner, ainsi qu'un quart de nos Nantes. Alors, ce qui revient fréquemment pour les tenues de bord, ce sont les bottes, ce sont les vêtements chauds, effectivement, qui permettent aux marins d'être emmitouflés sous plusieurs couches de grosses étoffes afin d'affronter le gros temps. Mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est que même dans les hardes professionnelles, on trouve quelques indices d'une certaine coquetterie, on retrouve quelques redingotes de bord, la mention est portée sur les actes parfois, on retrouve certes un amas de coton et de cordes pour dormir, mais également quelques rideaux, ça a été dit, on a des rideaux de bord, on a quelques signes d'acculturation vestimentaire où on est entre l'habit du marin et en même temps la recherche de coquetterie, la recherche d'une distinction par l'habit qui renvoie aux fonctions bien sûr occupées à bord. Mais le travail du capitaine de navire, et ça a été démontré tout au long de ces journées d'études, ne se cantonne pas à la vie en mer. On a tout un travail de capitaine géreur, je reprends l'expression de Paul Buttel, le capitaine géreur qui doit parcourir les colonies, les îles, les comptoirs, de façon à négocier à la fois la vente des produits embarqués depuis l'Europe, soit en Afrique, quand on est dans les circuits triangulaires, soit en droiture aux Antilles, et rapporter un certain nombre de marchandises, effectuer donc les achats en retour. C'est alors qu'on peut arborer des toilettes plus soignées, plus sophistiquées, qui vont utiliser des matières plus recherchées, des coloris plus diversifiés. Et on peut, à partir de ce constat, suivre un certain nombre de capitaines de navires qui vont à la fois allier un grand nombre d'exemplaires d'une même tenue vestimentaire et dans le même temps des effets de lumière, de coloris, des matériaux nobles, des brodures, etc. Alors, si on prend par exemple Guillaume Cousicot, Jean Chaudeau ou Antoine Boutin, on est sur trois capitaines de navire dont les effets ont été inventoriés entre les années 1770 et 1780. On est donc à la fin de notre période, et pour ces capitaines de navire, on a des chiffres qui commencent à être significatifs d'une volonté d'accumulation. On peut prendre l'exemple donc de Guillaume Cousicot, qui possède à sa mort 64 paires de chaussettes, 73 chemises unies ou garnies, 36 cols de coton, 27 paires de bas. On peut prendre l'exemple de Jean Chaudeau, qui est décédé en 1782. Dans les trois cas, on est sur des capitaines qui ont été reçus en l'amirauté peu de temps auparavant. C'est quand même un élément à prendre en compte. On est sur des capitaines relativement jeunes, qui ont une trentaine d'années et qui viennent tout juste d'accéder au capitanat. Ça peut notamment expliquer le vaste panel de coloris qu'on va retrouver dans la garde-robe. Mais si on prend Jean Chaudeau, donc 1782, on se retrouve avec une vingtaine d'habits, une trentaine de paires de caleçons, une quarantaine de vestes et une cinquantaine de culottes ou de pantalons. On voit qu'on a l'embarras du choix. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce grand nombre de pièces de tenues vestimentaires est associé à des habits brodés d'or, de couleur écarlate, de couleur bleue à la maréchale, avec des vestes vertes, roses, avec véritablement la volonté de se démarquer du commun par l'habit, par la tenue vestimentaire. De la même façon, Antoine Boutin, dont j'ai déjà parlé, en 1775, multiplie les teintes. On est sur des capitaines qui peuvent avoir 5, 6, 7 fracs ou redingotes. Le frac ou la redingote n'ont pas vocation à être portés tous les jours. On est quand même sur des tenues qui se portent dans les grandes occasions, et là on a des rechanges en nombre assez important. On faisait référence tout à l'heure aux francs-maçons, donc je ne pensais pas véritablement en parler. Je suis actuellement en train d'étudier cet aspect
auprès de mes capitaines de navire. Et je travaillais tout récemment sur un capitaine franc-maçon qui est parti à Saint-Domingue, qui est mort en 1784, Pierre Hugonin. Donc franc-maçon, puisqu'il possède à son domicile deux verres de franc-maçon. C'est très rare qu'on ait des objets associés à la franc-maçonnerie qui soient mentionnés. On est relativement bien documenté à Bordeaux avec les travaux de Joël Coutura. On a quand même une historiographie qui permet d'étudier cet aspect. Et chez ce capitaine de navire, alors même qu'on sait qu'il n'a laissé que quelques pièces de vêtements, puisqu'il a emporté avec lui les chemises, les sous-vêtements, on n'a pas de chemise, donc il est probable que là on a bien affaire à une garde-robe lacunaire, eh bien il a quand même laissé après lui 5 ou 6 fracs, ce qui prouve bien encore une fois qu'il a dû en emporter avec lui, avec son nécessaire, et ce qui montre donc une recherche de vêtements en quantité et en qualité. Alors bien sûr, ces chiffres, ce constat font écho aux travaux qui ont été évoqués précédemment. À un Joseph Galland pour Nantes, j'y reviendrai plus en avant dans mon intervention, un Joseph Galland étudié par Olivier Pétré-Grenouillot, qui lui aussi a des tenues vestimentaires en abondance. Et dans un certain nombre de ports, on s'aperçoit que dans les grands ports atlantiques, les capitaines de navires, effectivement, recherchent cette ostentation par le vêtement. Alors l'intérêt, me semble-t-il, de cette étude est d'essayer de parvenir à une approche un peu plus quantitative, parce qu'il est évident que parmi tous les capitaines que j'ai cités, on est probablement dans la tranche haute. C'est-à-dire que j'évoque des capitaines qui ont une garde-robe remarquable, mais se pose forcément la question de la représentativité par rapport au groupe. Je n'ai qu'une quarantaine d'inventaires après décès inventoriant la garde-robe. Néanmoins, j'ai pu établir un certain nombre de statistiques que j'ai pu comparer aux négociants bordelais qui ont été étudiés par Philippe Gardet pour la toute fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Et à partir de ces statistiques, on va pouvoir situer les capitaines de navires par rapport aux négociants. Donc si on est sur des moyennes, pour les capitaines de navires, quarantaine d'actes, seconde moitié du XVIIIe siècle, 14 vestes en moyenne, 11 culottes, 7 habits, ce qui fait environ une trentaine de pièces principales. Comparaison avec la garde-robe de la noblesse parisienne en 1789 étudiée par Daniel Roche, on est sur la frange très basse, mais on est au-dessus des 10 à 30 pièces principales que l'on retrouve chez les gros bourgeois, les petits patrons, les boutiquiers et les artisans de la capitale. Donc ça situe déjà les capitaines de navires par rapport à la capitale. Si maintenant on se place sur l'observatoire bordelais, on est sur des chiffres comparables à ce qui a été calculé par Philippe Gardet sous le directoire. C'est-à-dire qu'on a, pour toutes les pièces, le même nombre auprès des capitaines de navire, auprès des négociants, à la réserve qu'avec les capitaines de navire, on peut se demander s'ils sont complets, et que pour les vestes, on a le double de vestes chez les capitaines de navire. C'est la seule pièce pour laquelle on a le groupe qui se démarque par rapport aux négociants. Pour tout le reste, on est dans les mêmes ordres de grandeur, quoique plus de redingotes chez les capitaines que chez les négociants, même si encore une fois on travaille sur des petits effectifs et qu'il faut être très très vigilant sur les comparaisons. Plus de redingotes donc, légèrement plus de chemises, plus de tours de col. Alors, on peut donc considérer que par la tenue vestimentaire, nos capitaines de navire parviennent à rivaliser avec les négociants dans l'art du paraître, dans la culture des apparences, je paraphrase une nouvelle fois les travaux de Daniel Roche. Je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de déplacer l'observatoire et de se placer du point de vue des intérieurs. S'il y a des ordres de grandeur similaires sur les tenues vestimentaires, qu'en est-il dans le domaine du mobilier, du cadre de vie intérieur ? Rien à voir. Les négociants sont très nettement au-dessus des capitaines de navire. Tous les indicateurs le montrent, avec un léger décalage dans le temps, puisqu'encore une fois, les travaux de Philippe Gardet pour les statistiques portent sur le directoire, donc sur la période révolutionnaire. Je suis dans la seconde moitié du 18e, plutôt dans les années 1770-1780. Mais on s'aperçoit par exemple que le nombre de pièces de vie correspond exactement au calcul moyen que M. Perret, vous avez fait au préalable. C'est-à-dire qu'on est sur 3,5 en moyenne
pour le cadre de vie, ce qui est très bas par rapport aux négociants, on est à 7, 8, 9, 7 pour la valeur médiane. Donc on voit bien que les intérieurs sont beaucoup plus exigus, mais là encore, certains louent une chambre garnie. C'est difficile d'établir des statistiques sur un personnel navigant qui est amené à multiplier les déplacements. Mais sur l'argenterie, sur le linge, sur le nombre d'armoires, sur le mobilier, deux caractéristiques. Un mobilier soigné, des meubles en acajou, à la rigueur du cerisier, mais plutôt des meubles de bonne facture, avec serrure, avec cuivre. On est plutôt sur de belles pièces, mais en nombre bien plus limité que dans le monde du négoce. Donc on rivalise dans l'apparat et la tenue vestimentaire, absolument plus au niveau du mobilier et des intérieurs, vis-à-vis des négociants, mais même vis-à-vis des marchands. C'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde le mobilier des marchands bordelais, on s'aperçoit que les capitaines de navires ne sont pas en mesure d'offrir le même intérieur que les marchands. C'est en ça qu'on est bien à la fois dans le savoir-être et dans le savoir-faire. Si les capitaines surinvestissent dans leur tenue vestimentaire, c'est qu'elle est un instrument de travail et ce n'est pas un hasard si dans les inventaires on les retrouve avec les instruments de navigation. Ce n'est pas un hasard si on les retrouve avec les ouvrages embarqués à bord, dans les malles, dans les coffres. C'est bien que les capitaines considèrent ces tenues vestimentaires comme un outil de travail, comme une tenue professionnelle. Et au fond, les notaires qui ne mentionnent pas toujours qu'il s'agit là d'art de professionnel, à partir du moment où ils les situent dans ces coffres et ces malles, trahissent l'utilisation qui a pu en être faite. Alors, on est toujours sur quelques objets, vêtements, habits. Qu'en est-il des dots, qui peut être également aussi une manière d'approcher le rang social, le statut et le rang social des capitaines de navire, ou à tout le moins leur niveau de fortune au moment de se marier. Eh bien, là encore, si on part des chiffres des apports au contrat de mariage, en les comparant à ceux des négociants, absolument, absolument rien à voir, puisque dans les années 1780, et là on est exactement sur la même période que pour les travaux de Philippe Gardet, donc là plus de problème au niveau de la périodisation, 78% des capitaines de navires mariés à Bordeaux ont des apports dotaux inférieurs à 12 800 livres. 78%, en même temps 12 800 livres pour le groupe, c'est un niveau qui est très élevé. Seuls 16% des négociants de la localité apportent moins, si on fait le cumul, hein, épouse-époux, que ce montant de 12 800 livres. Donc 78% des capitaines de navires en deçà de ce seuil de 12 800 livres pour seulement 16% des négociants en deçà. Deux mondes qui n'ont rien à voir quant au niveau de fortune. Et même lorsqu'on compare les marchands et les capitaines de navires, où on pourrait se dire qu'on serait sur des milieux sociaux plus proches au niveau du montant des apports dotaux, là encore, léger avantage aux marchands. Ça se joue à peu, mais les marchands apportent légèrement plus. Mais il est vrai qu'on est souvent en début de carrière, on est au moment du mariage, mariage tardif, certes. Tardif, bon, pour l'époque, on est à 30-35 ans, mais on est en début de carrière. Donc, quid de la suite, c'est toujours la difficulté avec les capitaines de navire. On sait que certains vont s'enrichir. Donc, ce serait peut-être la réserve qu'on pourrait émettre dans ces comparaisons statistiques au niveau des apports dotaux. Pour essayer donc de conclure et d'avoir une vision à nouveau un peu plus globale de l'objet d'étude, ce que l'on peut dire, c'est que l'habillement devient incontestablement costume avec les capitaines de navire, des capitaines en représentation sur le bateau. Il faut asseoir l'autorité vis-à-vis des hommes commandés. Il faut aussi pouvoir à terre, lors des escales, être en représentation, s'adresser à la fois aux autorités pour les formalités administratives aussi, donc s'adresser aux autorités dans le cadre des fonctions administratives dévolues au capitaine de navire, s'adresser parfois aux autorités locales, s'adresser aussi bien sûr au monde du négoce, être pris au sérieux, être crédible, être légitime
à agir aussi pour le compte des négociants bordelais qui, et les travaux de Paul Butel l'ont bien montré, misent énormément sur l'affairisme des capitaines de navires qu'ils emploient. Et je ne peux pas résister, pour terminer mon intervention, je ne peux pas résister à la tentation de citer Olivier Pétré-Grenouillot et à finir sur un exemple local, puisque dans un article d'Olivier Pétré-Grenouillot, l'historien revient sur le cas de Joseph Galland sous la Révolution, où une proche nous dit, une proche du capitaine déclare qu'il n'aurait pas fallu qu'il eût un accident sur la voie publique, car les dames de l'hôpital n'auraient trouvé sous ses beaux atours qu'un mauvais caleçon de toile. Et je trouve cet aveu assez conforme à cet état d'esprit du groupe, tout dans le paraître, mais avec une assise socio-économique finalement assez fragile.